On s'était dit, quoi qu'il arrive, on part ce week-end dans le Pila. On avait regardé la météo qui annonçait de la pluie tout le week-end. Mais je sais pas si vous êtes comme nous, mais nous, on n'a pas voulu y croire. On avait programmé de faire le barrage du gouffre d'enfer, d'aller marcher au Crêt de la Perdrix, enfin bref, tout un programme. Sauf que... Il y avait une bande nuageuse qui était en oblique sur la France, comme ça, qui coupait la France en deux, des Pyrénées jusqu'à l'Alsace. Je pense qu'on est en plein dedans, en fait. Et bah tant pis, on insiste quand même. On est têtu quand même. Voilà, on est arrivé au gouffre de l'enfer, on n'est encore pas sorti, mais rien ne peut nous arrêter. Même pas la pluie. Allez, c'est beau, hein? Rien ne nous arrêtera! Alors nous voici arrivés au barrage. Ce barrage, en fait, il est situé à une demi-heure à peu près de Saint-Étienne, à l'abord du parc du Pila. La construction du barrage s'inscrit dans un contexte de lutte contre un phénomène qui inquiétait Napoléon III à l'époque, c'était les crues. Les travaux débutent en 1861, supervisés par deux ingénieurs, principalement Graef et Montgolfier. Alors maintenant, il est à présent utilisé comme retardateur de crues, ou lorsque le barrage du Pas de Rio, qui est un petit peu plus haut, est vide pour alimenter en eau la ville de Saint-Étienne. Alors, vous pouvez vous balader depuis le barrage du Gouffre d'Enfer jusqu'au Pas de Rio. Ça fait à peu près une balade d'environ 8 km. C'est une boucle, en fait. Hein. Vous revenez ensuite sur vos pas, qui est visiblement accessible à tous. Il n'y a pas de dénivelé. Ouais, je pourrais me lancer aussi en parachute, là. Mais bon, aujourd'hui j'ai pas de parachute. J'arrive pas à le faire. Et je vais m'arrêter là. Alors là, je suis à l'horizontale. Voilà la montée ici. On s'est cogné ça sur 6 bornes. Ouais, 6 bornes. Ouais. Et attention, 6 bornes c'est 6000 mètres. Hein. C'est énorme. 6000, c'est plus que 6 bornes en fait. Oui, c'est vrai. Bon allez, c'est pas vrai, il n'y a pas 6 km. Alors c'est dommage qu'il n'y a plus, mais l'endroit a l'air vraiment très très joli. Il y a des randonnées accessibles depuis le village de Plantefoy et celui de Rochetaillé. Et il y a aussi plein de possibilités de faire de la via ferrata, de l'escalade, enfants, adultes. L'endroit est vraiment très très joli. Bon, c'est dommage, il pleuvait. Allez, retour au camping-car, il n'y a plus rien à faire, il pleut toujours, donc on s'en va. Alors, ça s'éclaircit pour l'instant. Donc là, on est en direction du col de l'Oyon, on verra si on tient le choc là-bas. Parce qu'alors, ils annoncent du vent, de la pluie, des orages. On va tenter, on verra si on s'envole ou pas. Mais... bon, voilà. Quand on veut, on insiste hein, quand même. Hein, mais bon, on va peut-être. C'est peut-être bien d'insister, on verra. Hein. Bon. Il est 5h du matin. Je crois que j'ai pas dormi. Enfin, si, peut-être une heure. Parce qu'il y a un vent mais de dingue ici,
Et en fait, on est comme dans un bateau. Et à force que ça tombe comme ça, et ben j'avais le mal de mer, quoi. Donc là, je me suis levée, j'ai fait un café. Et je crois que c'est 5h du matin parce qu'on a avancé. Oui, il est 5h. Ouais. Le vent, je regardais sur la météo, le vent est à 60-65 km/h. Dans une heure, il l'annonce à 100. 110. Mais il y est déjà. Il y est déjà. Mais c'est hallucinant, quoi. Enfin, allez, on va faire un tour. Regarde les habits, comment. Regarde. Ouais. Non, mais c'est dingue, quoi. Bon. Comme on est des fous, on va y aller. Une lumière. Toi, on va aller voir ce que ça va donner dehors. Toi, t'es fada, toi. Allez. Alors, la pluie, le brouillard, il y a tout en même temps là. Allez, je me suis assez mouillé. Et bien après cette démonstration de courage d'Henri d'aller braver le vent, la pluie, le brouillard, on décide quand même de partir parce que c'était plus possible de rester là-bas et puis on avait vraiment peur que le camping-car se couche sur le côté, donc on va au prochain village qui était Doisieux et en fait on a passé la nuit ici jusqu'au lendemain matin et on a dormi. Allez, c'est décidé, on quitte le Pila, on décide d'aller visiter les grottes de la Balme. De la Loire, on passe dans le département de l'Ain, au moins on sera à l'abri en cas de pluie. Et au passage, donc, on décide de prendre Yannick. Et nous voici repartis pour de nouvelles aventures. Et là, encore une fois, petite déception. Arrivé à l'entrée de la grotte, on nous annonce que c'était sur réservation à cause de la chasse aux œufs. Eh ben oui, c'était Pâques. Alors bon, juste avant l'entrée, Henri avait vu qu'il y avait une cité médiévale à Quirieux, pas très loin. Et ben donc, on finit notre petit road trip à Quirieux et on verra bien. Ah oui. Ah mais ouais, c'était carrément... Ouais, tu vois, on est carrément en plein dedans là en fait. C'est le bout là. Non, là, tu vois, on est sur la place ah, du... Oui. Ici. Il y a encore des et ça descendait, en fait, là. Alors. Ouais. Les vestiges, là. Ouais. Ah oui, mais alors, c'est tout en droite, là. Quirieux est une cité endormie, un village fantôme. Le site s'étend sur une butte calcaire de 4 hectares, formant un petit plateau allongé. Au Moyen Âge, il s'agissait de l'une des principales places fortes delphinoises. Quirieux fut peu à peu abandonné, mais les rues demeurent encore très perceptibles. La nature et la végétation ont repris leurs droits. Ce village prend ainsi des allures de décor de contes de fées, où le rêve, l'imaginaire, côtoie l'histoire.